Le Togo à présent, il ne faut pas jouer avec ce scrutin à propos de Madame Adjamabo. Je le disais en entrée d'émission, Madame Adjamabo réagissait sur une radio de la place. Elle dit, on ne peut pas accepter que des Togolais en âge de voter ne puissent pas s'inscrire sur la liste électorale, surtout qu'on connaît les enjeux liés aux prochaines élections. Parlant des locales, elles ont été organisées au Togo depuis plus de 30 ans, donc il ne faut pas vraiment jouer avec ce scrutin. Il faut faire en sorte que ces élections locales soient crédibles et inclusive. Elle poursuit en disant que ces 24 heures de prorogation ne sont pas adéquates car les problèmes qu'il y a eu sur le terrain, le gouvernement le sait très bien, la CENI le sait très bien et demande donc au gouvernement d'en tirer toutes les conséquences et de proroger la durée du recensement en accordant le nombre de jours adéquats pour que les citoyens togolais puissent exercer leurs droits. Mais d'abord, Chris Ega, dire accorder le nombre de jours adéquats, c'est vrai, hier, on l'évoquait brièvement sur le plateau. Même si on donnait 100 jours de recensement, il y aurait des gens qui n'auraient pas pu se faire enrôler. Oui, surtout que le nombre de jours adéquats, c'est selon. Oui. Et maintenant, il faut que Madame Adjamabo nous dise quel est, selon elle, le nombre de jours adéquats. Et après, on va interroger ceux qui ont donné 4 jours. Si c'est eux, ils estiment sans doute que c'est là, le 4 jours, c'est suffisant pour organiser et pour faire le recensement ou bien faire le complément de recensement parce que. À leur avis, il s'agit d'un complément de recensement et non d'un recensement parce que vous vous rappelez qu'il y a eu le recensement déjà et maintenant, il faut ouvrir encore le jeu pour prendre en compte la demande, je crois, par exemple, de ceux qui étaient allés voir le président récemment, le reliquat des groupes de C14, voilà, qui étaient allés le voir. Mais ce qu'on a constaté quand même, c'est que il y a eu. Les gens, beaucoup se sont dit que ça n'a pas marché. Nous-mêmes, on a fait des tours dans certains bureaux de recensement au niveau de Lomé. Il y avait un peu d'affluence par endroit, beaucoup d'affluence par endroit, mais l'attente n'a pas été comblée de la part de ceux qui venaient se faire enrôler. Mais quand vous prenez l'intérieur, je crois que les gens avaient le mot de boycott que l'opposition avait donné. On a constaté que ça n'avait pas été du tout respecté parce qu'il y a des bureaux de recensement à l'intérieur du pays, quels que soient les préfectures, il y a eu très peu d'affluence. C'est étonnant, ça voudra dire que c'est à Lomé peut-être que les gens, comme on le constate généralement, les grandes villes, généralement l'opposition est très représentée, donc ce n'est pas étonnant que cette fois-ci à Lomé, on constate que beaucoup n'avaient pas, les gens avaient respecté ce mot d'ordre-là que l'opposition avait donné. Mais maintenant, il est sûr qu'aucun régime ne voudra donner le bâton pour se faire battre. C'est ça, même le jeu politique. Et on l'a encore constaté que le nombre de jours pour les tenants du pouvoir, c'est 4. Maintenant, il faut que peut-être Adjamogou nous dise le nombre de vous qu'elle voudrait qu'on y ajoute. Comme Imayaba, quand Adjamogou dit qu'il ne faut pas jouer avec ce scrutin, elle a l'impression qu'en donnant simplement 3 jours prorogés d'un seul jour, le gouvernement ne prend pas au sérieux les locales. Non, en fait, il faut rectifier quelque chose parce que le gouvernement avait annoncé 3 jours de révision. Bon, ayant constaté peut-être que, enfin, ayant constaté qu'il y avait des retards ou peut-être certains règlements, enfin, certains petits trucs qu'il fallait revoir, donc, a donné une prolongation d'une journée 24 heures. Moi, je trouve que pour des responsables politiques, il ne faut pas s'attarder sur des communications. Il faut aller au-delà. Si aujourd'hui le travail était fait à fond, on ne serait même pas arrivé pour qu'on appelle pour dire même un seul jour, 2 jours suffisaient pour aller à ces élections. Alors c'est l'inconséquence ou c'est la conséquence du boycott du 20 décembre 2018. Donc c'est vrai, le gouvernement, nous l'avons dit sur ce plateau, que ayant vu, si le gouvernement constatait qu'il y a des manquements à certains niveaux, il va faire donner une prorogation. C'est ce qui a été fait. Comme l'a dit Chris tout à l'heure, bon, quel est le nombre de jours adéquats qui va plaire ou qui va intéresser Adjamabo ou peut-être le RICA de la C14, je n'en sais pas. Mais pour l'heure, je crois que le gouvernement pouvait faire, même si on donnait exactement un mois,
tout le monde, beaucoup de personnes aussi crieraient au scandale. Ouais. Mais le souhait, c'est qu'il faut que nous fassions profil bas pour commencer, puisque on en a connu ces appels à répétition. C'est le terrain qui compte. Ce n'est pas le fait de dire que ceci n'a pas marché ou ceci qui a marché qui va mettre. Le gouvernement écoute tout le monde. C'est ce qui a été fait. Donc, et ce n'est pas pour jouer avec ces élections. Et s'il fallait jouer, ce n'est pas avec le local qu'on va jouer. On aurait joué avec les législatives. Donc, ils ont constaté que la C14 dans son ensemble, je parle de l'opposition qui n'a pas participé aux législatives de 20 décembre, a constaté qu'elle a perdu et il faut rattraper. Mais en rattrapant aussi, il faut penser qu'on ne peut pas tout rattraper. Vous pouvez rattraper, mais vous ne pouvez pas tout prendre. Donc, ils ont constaté qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, ils ne peuvent pas tout prendre. On ne peut que faire ce qu'on peut faire parce que le retard est toujours là. Si tu es devant moi, je vais marcher les mêmes pas que vous faites. Je ne peux pas faire plus que ce que tu es en train de faire. Je ne te rattraperai pas. Donc, c'est toujours ce que nous avons dit. Et chaque fois, disons qu'on peut tout faire sauf le boycott. On pouvait appeler. Vous pouvez boycotter, mais faites-vous recenser, gardez vos cartes, ne pas aller aux élections. Ce n'est pas un crime. Mais on ne peut pas appeler aux gens de ne pas aller se faire recenser. Ça rattrape toujours. Là, on dit que l'histoire de la roue tourne toujours. Et l'inconséquence, c'est ce que nous avons constaté. Et donc, il faut qu'ils pensent maintenant au terrain, parler à leurs militants pour que véritablement ces échéances-là puissent se trouver un écho favorable. David, est-ce que Mme Adjamagou n'est pas prise au piège qu'elle-même elle a tendu? Prise au piège, oui et non. Oui, parce que elle a subi le mot d'appel au boycott lancé par la coalition au sein de laquelle sa formation politique. C'est elle-même qui l'a lancé. Oui, elle était coordinatrice de la C14 dans le temps. Et donc, elle avait lancé un appel de boycott qui a été, selon l'opposition togolaise, qui a été suivi par leurs militants dans les différentes régions. Non, parce que c'est son droit en tant que citoyen togolaise aussi d'appeler au boycott. C'est-à-dire que le recensement n'est pas obligatoire. Aucune loi de notre pays n'impose une obligation de se faire recenser. Vous êtes libre d'aller vous faire recenser ou pas. On ne vous poursuivra pas après. Je crois que c'est ce que les tests définissent. Donc, chaque citoyen, selon son âme et conscience, voudra ou pas aller se faire recenser. Même si l'opposition appelait ses militants à aller se faire recenser, un militant de l'opposition peut ou ne pas vouloir aller se faire recenser. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, il y a une conséquence qui est là. Nous avions été tous unanimes sur ces différents plateaux à dire que le fait d'avoir appelé au boycott, au premier recensement du mois de décembre, était une erreur grave et fatale. Aujourd'hui, l'opposition crie au scandale parce qu'elle paye le prix de cet appel au boycott. Le gouvernement est lancé dans un processus d'aller à l'organisation de ces élections. Et il est déjà parti des élections législatives. Les députés sont aujourd'hui élus. Ils siègent à l'Assemblée nationale. Il faut maintenant aller au local, qui était un vœu cher et pur de toute la classe politique. Tu l'as dit tout à l'heure, les dernières élections, c'était il y a une trentaine d'années au Togo. Et donc aujourd'hui, c'est l'opposition qui crie au scandale parce qu'elle estime que les quatre jours qui ont été dégagés pour la révision des listes électorales ne sont pas suffisants. Il fallait peut-être tenir ce langage en décembre pour qu'aujourd'hui le reliquat qui n'a pas pu se faire recenser puisse aller. En décembre, l'opposition a appelé au boycott. C'est son droit le plus absolu. S'ils sont dans un combat politique, devant, il y a un pouvoir, il y a l'Assemblée nationale, il y a la majorité, la minorité. Donc chacun visait un objectif fixe. Ils étaient dans leur droit d'appeler au boycott. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a les moyens nécessaires pour prolonger encore de quelques jours cette révision? Est-ce que il y a une volonté de la part du gouvernement et de la formation politique unie à aller vers un prolongement? Il faut peut-être aussi aller au-delà et se dire que c'est l'ensemble du peuple togolais
Chris l'a dit tout à l'heure, même si on donnait un mois, même si on donnait 100 ans pour se faire recenser, de toutes les façons, tous les Togolais n'arriveront pas à se faire recenser. Il y aura une marge, une entité qui n'ira pas se faire recenser. C'est ce que la loi a prévu. Mais nous sommes quand même assez rassurés qu'il y ait eu cette écoute d'abord de prolongation ou de 24 heures de la liste, de la révision des listes électorales. Ça a été écouté, ça a été fait. Maintenant, la CENI va se prononcer pour présenter le bilan de cette opération. S'il faut aller encore à quelques jours, c'est la CENI qui définira ses besoins. Alors, Chris, est-ce que les propos de Mme Adjamabo ne tendent pas aussi à faire quoi, comme si il y avait un nombre de personnes qu'elle espérait voir se faire enrôler qui n'ont pas pu? Alors qu'on n'oublie pas qu'il y a moins de 6 mois, on a eu un recensement général. Oui, je crois que M. Jaguavia a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est que maintenant, quelles sont les statistiques aujourd'hui? Il faut que nous puissions agir avec les statistiques. Est-ce que nous n'avons pas atteint un certain seuil des gens enrôlés par rapport, de toute façon, aux élections passées? Est-ce qu'on a eu aujourd'hui nettement moins que le nombre de recensés de ceux qui sont, ou bien nettement plus? Je crois qu'il faut peut-être qu'on atteigne, on attend les statistiques, voir, comme le dit M. Dewabi, les statistiques vont fournir, que va fournir la CENI, pour qu'on puisse voir clair. Et peut-être que par rapport à ça, ils vont se dire, il faut encore peut-être appeler les gens. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que le recensement, ça, c'est quand même aussi des frais, parce que ça a un coût. Les gens l'oublient trop souvent. C'est pour cela que il faut peut-être dire à Mme Adjamabo qu'entre-temps, eux-mêmes, ils se sont un peu amusés, parce que lorsqu'elle dit pas qu'il faut pas s'amuser avec les locales, si entre-temps les gens ne se sont pas trop amusés en appelant les gens ne pas aller se faire compter, parce qu'il faut le dire ainsi pour que les gens comprennent, parce que participer, heureusement, c'est que aller se faire signaler qu'on a l'âge de participer aux élections. Maintenant, quitte à ceux qui ne voudraient pas pour leurs propres convictions, ou bien pour tel truc de dire que on va pas y aller. Mais lorsque vous avez des projets, les gens, mais on a constaté, et moi je l'ai dit tantôt, qu'à l'intérieur, les gens se sont passés outre cet appel au boycott, parce que ce qui, moi, m'a surpris un peu, c'est la façon dont le peu d'affluence qu'on a eu à l'intérieur du pays. À Lomé, c'est normal que les bureaux soient décongestionnés, et peut-être que nous sommes tous surpris de constater parce qu'il y a eu un peu plus d'affluence pour ce coup-ci. Mais nous sommes en ville. Mais il se fait que les machines, les gens disent que les machines ont été programmées pour tomber en panne, ou bien pour ralentir le recensement, etc. Mais il y a une raison objective quand même qu'il faut évoquer, c'est que les machines sont programmées aussi peut-être pour éviter les doublons, bien voir si tel n'a pas été recensé au premier recensement, etc. Une recherche, ce qui fait que à partir de ce moment-là, la machine est lente, non pas parce que c'est l'opérateur qui a commandé cela, mais tout simplement parce que la machine fonctionne en se référant à une base de données. Parce que cette base de données-là existe dans chaque machine et doit être visitée pour qu'on puisse éviter les doublons, etc. Bon, maintenant, il faut que cela nous puissions tirer des enseignements de ce qui nous arrive. Moi, je l'ai toujours dit, il faut qu'on puisse tirer des enseignements du passé pour faire mieux à l'avenir. Mais maintenant, lorsqu'on croit chaque fois que le tort est dans le camp du gouvernant, on évite de faire de l'autocritique et voir ce qui ne marche pas à notre niveau. Chaque fois qu'on voit la pierre de l'autre côté, on se dit que peut-être que nous, on a fait tout ce qu'il a fallu faire. Mais je crois qu'il y a eu quand même beaucoup d'erreurs de la part des leaders politiques de l'opposition, et faut que nous puissions tirer leçon de ce qui nous arrive. Il y a quand même, quand on revoit les 4 jours, il y a eu quand même beaucoup de dysfonctionnements. Oui, effectivement, les dysfonctionnements, on a constaté. Donc il faut tenir compte pour éventuellement étudier la possibilité de prolonger encore. D'accord. On l'a dit et on continue de le dire. Les dysfonctionnements sont liés, comme venait de le dire Chris tout à l'heure, le fait que ces machines ont été programmées parce qu'ils savent prendre en compte le fichier dans son ensemble.
et pour éviter les doublons qui vont encore créer au scandale parce qu'on a recensé des mineurs, les gens ont été recensés pour doublement. Je crois que ça a été programmé de manière à ce que ça filtre, que le fichier soit de manière à assainir le fichier. Bon, mais ailleurs aussi, donc, c'est des groupes qui tombaient en panne, c'est des machines qui se tenaient. On en a connu en 2018. Ces cas-là, c'est répétitif. Ce n'est pas pour les locales seulement. Ces machines, nous savons qu'à des moments, nous déplorons ces cas où les machines, au lieu que ça fonctionne, les gens sont là en file d'attente et que, bon, parfois, c'est le nombre insuffisant qu'on recense tout ça. Là. Ça a été toujours ainsi sur toutes les élections, sur toutes les lignes. Mais vu au vu de tout cela, que le gouvernement prend des mesures après le temps donné, peut-être prend 1, 2 jours, 3 jours pour prolonger, pour compenser ces déficits-là qui ont été constatés. Et donc, pour dire que les 3 jours, c'est vrai, on a constaté beaucoup de dysfonctionnement de la part des machines, mais ce n'est pas fait à dessein. Ça, il faut rappeler aux gens qu'on a entendu les gens dire que c'est programmé pour que la plupart des candidats, enfin, des électeurs, des électeurs ou les gens qui ont les militants de l'opposition de la CDU puissent pas se faire recenser. Mais je dis que le gouvernement n'a pas ce souci. À mon avis, le gouvernement n'a pas ce souci parce que s'il avait ce souci, il ne mettrait pas sur toute l'étendue du territoire. Vous savez, les gens ont aussi confondu une erreur, ont fait une erreur de faire comprendre aux gens que Lomé est tout le Togo. Non, Lomé n'est pas tout le Togo. Et Chris l'a dit, quand vous rentrez, quand vous allez vers l'intérieur du pays, les OPS sont restés toute la journée. Donc, les oisifs n'ont pas travaillé. Est-ce que nous ne sommes pas les mêmes peuples? Donc, faisons l'effort de faire comprendre aux uns aux autres. Mais chacun aussi défend sa chapelle. Non, ça, c'est normal. Ça, c'est le jeu politique. Ça, on le refuse pas. Maintenant, dans ta contrée, si tu trouves que tu peux peut-être mener des actions qui puissent te faire rafler la voix, bon, tant mieux. Maintenant, ne faisons pas croire que le Lomé seul conduit tout le Togo. C'est ce que je viens de dire. Donc, on doit faire l'effort de dépassionner ce débat-là et de temps en autre prendre en considération les autres contrées de l'intérieur du pays et dire que si je peux peut-être me situer, par exemple, à Pabouda, ça veut dire que je suis à Lomé aussi. Donc, il faut que les gens puissent faire l'effort de comprendre que nous sommes Lomé ou peut-être ailleurs, nous sommes tous Togolais et nous jouissons des mêmes droits et devoirs. David, est-ce que quand même c'est pas un faux problème qu'on pose en disant nos militants n'ont pas pu se faire recenser dans telle zone? Si on considère qu'on est ultra majoritaire dans cette zone-là, même si c'est 100 qui se sont fait recenser, ils vont voter pour vous et vous gagnerez. Non, par rapport au précédent recensement, je pense que les calculs ont été faits par chaque leader de formation politique, puisque pour être élu, il faut un certain nombre de voix qui doivent vous faire gagner cette élection-là. Et donc, lorsque la majorité de leurs militants n'ont pas pu se faire enregistrer au premier recensement, ils ont peur que, avec cette révision, les mêmes causes, que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et qu'il n'y ait pas assez de militants, c'est tout à fait normal. Et donc, moi, je pense plutôt que c'était aux leaders des formations politiques qui avaient appelé au boycott de sensibiliser leurs militants en retournant à la base. Je n'ai pas vu, j'ai été un peu surpris de ne pas constater que des leaders de l'opposition qui aient fait des déplacements dans leur zone électorale. Je n'en ai pas vu, peut-être à Dapaan avec le parti Yadi seulement. Mais les autres, je n'ai pas vu le cas dans son fief électoral. Généralement, c'est Tablibo, c'est le Yorto et tout ça. Les autres, je n'en ai pas vu. Je n'ai pas trop bien compris. Ils se sont contentés de rester à Lomé et de lancer. Et c'était des appels timides aussi. Moi, j'ai vu la virulence. Et Lomé, ce n'est que 7 communes. La violence avec laquelle l'appel au boycott avait été lancé en décembre. Ouais. Et c'était, on sentait vraiment que ces leaders étaient prêts à bloquer la voie du recensement à leurs militants. Ouais. Et ça a été écouté. Mais aujourd'hui, quand il s'est agi des élections locales, je n'ai pas senti. C'était des appels timides. J'ai entendu la présence de la C14 qui s'est exprimée, Fable qui s'est exprimé également, les autres qui ont parlé. Mais c'était des appels qui peinaient à véritablement mobiliser. Je pense que le devoir de sensibilisation aurait pu être fait en amont pour que
les militants comprennent la nécessité d'aller se faire recenser. Il fallait, comme on l'a constaté, hein, à Lomé, il y a eu des dysfonctionnements, tu l'avais dit tout à l'heure, bien évidemment, mais ailleurs, on a vu les OPS qui attendaient la population pour se faire recenser. C'était quand même un peu extraordinaire. Mais j'estime quand même qu'avec le peu de leurs militants ou le peu des Togolais qui n'avaient pas pu se faire recenser, le peu qui a pu se faire recenser sur cette dernière révision électorale, j'estime que le nombre serait quand même assez suffisant. On attend les statistiques de la CENI pour voir un peu ce que ça pourra donner. Et on estime quand même qu'avec cette élection locale, les choses vont véritablement se positionner et pour le gouvernement, et pour le Parti Unir, et pour l'opposition du Togo. Chris Ega, quelle leçon on doit tirer quand même de tout ça aujourd'hui? Non, c'est que moi, avant même de tirer, peut-être la leçon à tirer, peut-être je vais commencer par là, c'est que les hommes politiques essaient de prévoir. Prévoir, parce que cela manque souvent aux Togolais, de prévoir, parce que un leader politique, moi je le dis souvent, il doit avoir un peu plus d'avance par rapport en pensée, en tout cas par rapport aux citoyens ordinaires. C'est en cela qu'il est leader, c'est en cela qu'il se doute, qu'il a la capacité de mener des hommes. Mais si vous menez des hommes, vous n'êtes pas aussi différent que ça de ceux que vous menez. Je crois que vous menez les gens à la perdition. C'est ce que je voudrais dire. Mais je voudrais parler aussi d'une autre polémique naissante sur le chevauchement des communes, etc., que les gens qui vont se faire enrôler dans telle commune, alors qu'ils vont voter, ils aimeraient bien voter dans telle commune. Et puis, du découpage, on ne sait pas quelles sont les délimitations, on ne sait pas trop bien quels sont les différents quartiers, en parlant surtout de Lomé, parce que c'est surtout à Lomé que le problème se pose. Mais il y a quelque chose quand même qui me surprend un peu, c'est que ce découpage-là dont on parle aujourd'hui, je crois que ça fait déjà plusieurs mois que ce découpage existe. Et c'est aujourd'hui, parce que quand les leaders politiques de l'opposition, si vous veulent participer au local, qu'ils poussent des cris d'orfraie par rapport à cette délimitation, par rapport aux différents quartiers qui composent telle ou telle commune, par rapport au chevauchement, aux difficultés que les gens ont à se faire recenser dans telle commune, alors qu'en principe, ils vont voter, ils disent qu'ils ne comprennent pas très bien. Je crois qu'ils auraient pu prévoir et peut-être faire des recherches dans ce sens-là auprès de la CENI, voir quels sont les différents quartiers qui composent telle ou telle autre commune et peut-être rendre la liste disponible. Parce qu'ils ont dit quand même, ce que je sais, ils l'ont clamé à plusieurs fois, à plusieurs reprises sur des médias, que leurs partis sont prêts pour participer à n'importe quelle élection, parce que un parti politique est fait pour participer à des élections. Donc, ils se font toujours prêts et ils n'attendent pas le jour du scrutin pour commencer à s'apprêter. Mais je ne comprends pas pourquoi, s'ils sont autant prêts comme ils le disent, pourquoi ils n'ont pas été prévoyants pour aller aux informations, rendre ces disponibles, sensibiliser leurs militants que si jamais ils vont participer à telle élection, voilà les listes, voilà les communes et leur composition, etc. Cela, ça ne veut pas dire qu'ils vont participer effectivement au communal, mais seulement ils se préparent, puisque eux-mêmes ils l'ont dit. Mais si aujourd'hui ils évoquent le problème comme quoi rien n'est clair, les listes ne sont pas disponibles, je crois que ça aussi, c'est manque. C'est pas manque de prévoir une situation qui peut leur causer des soucis. Et là encore, il faut qu'ils soient au-dessus pour guider les gens. Oui, en fait, je voulais revenir sur un aspect. Et je crois que pour ces élections locales, il y a la communication qui a manqué beaucoup, tant au niveau du pouvoir, enfin du gouvernement, qu'au niveau de l'opposition. Parce qu'il y a cela, vous souvenez-vous, vous venez d'en parler tout à l'heure, et plus de 30 ans que ces locales ont été organisées. Mais on ne peut pas. Aujourd'hui, les locales, enfin, ces locales ne sont pas les législatives. Ce n'est pas le même, ça dit que le même fonctionnement. Donc, il fallait en parler. Je disais tout à l'heure sur une plateforme avant de venir ici que il y a même une contrée du Togo que je ne veux pas nommer, où ils ne savent même pas qu'il y aura local le 30. Effectivement, voilà, c'est aussi ça qui est vraiment difficile à cerner. Vous savez, le peuple
comme vous le dites, si vous allez quelque part, on vous dit qu'il y aura des locales, les gens vont assimiler ça au législatif ou au présidentiel. C'est de ça que nous sommes habitués. Donc, il fallait en parler, il fallait discuter, passer des communiqués, faire des sensibilisations. Depuis même plus de 2 mois ou 3 mois, on aurait pu prendre ça. Les médias en font la plus forte raison. Nous sommes ici, nous sommes en train d'en parler. Donc, il fallait aller au-delà de ça. Aller vers les populations, leur expliquer qu'est-ce que c'est que le local, comment ça se fait, comment ça se fait. Dans toutes les communes, le travail devait se faire, même si c'est comment l'appelle-t-on, on peut former des cellules qui vont aller de commune en commune, expliquer. C'est ça, devait être un travail de longue haleine, un travail profond, pour que les gens, au jour, au soir, ou peut-être le jour J, ne se retrouvent pas pour dire, mais comment ça se fait? Pour le moment, c'est bientôt. C'est 30 là, c'est bientôt. On ne sait pas à quel sens c'est difficile. Oui, ce qu'évoquait Kwame Mayaba est intéressant, parce que moi, je lisais, il se passe en fait déjà 2 ans, quand le gouvernement a évoqué l'idée des taxes sur habitation, c'est la CDPA qui a fait publier un certain nombre de banderoles, on a écrit, pas de local, pas de taxes sur habitation. Aujourd'hui, cette partie semble avoir été prise de court par la date. Personne ne semble être véritablement préparé au local. Donc, c'était plus la conséquence directe du manque de confiance que l'opposition avait manifesté à l'endroit du gouvernement dans le processus d'organisation des locales. L'opposition n'avait pas confiance au gouvernement parce que ces élections auraient pu être organisées depuis très longtemps, ça n'a pas été fait. Et donc, quand les dates ont été données, beaucoup pensaient qu'ils pouvaient encore disposer de la capacité nécessaire pour bloquer les choses, etc. Mais aujourd'hui, heureusement que tous sont rentrés dans le jeu. Je pense que c'est le PNP seul qui n'a pas ça va faire un très gros combat sur la scène politique. On verra véritablement qui va remporter plus que l'autre. Et ça permet d'avoir une très grosse fusion dans la synergie de l'organisation. Merci Chris Ega, Kwame Mayaba, merci beaucoup. David Diagbavi, merci. Merci à vous tous d'avoir été en notre compagnie. À demain.